Mwami bariki. Ok, nous prenons nos Bibles. Un roi, chapitre 19. Wafalme wa kwanza sura yake ya 19. Commençons à lire au verset 13. Tutaanza kusoma kuanzia mstari yake ya 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Wakati Élie alimsikia, akafunika uso yake na koti yake. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Akajitia pale mlangoni ya ile fasi ya kujificha. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Oneni sauti kamsikiliza imeno. Que fais-tu ici, Élie? Elia, unafanya nini hapa? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Alisema ya kwamba mimi nilipanua mabidi zangu kwa ajili ya milele Bwana majeshi. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Kwa sababu wana Israeli waliacha agano yako. Ils ont renversé tes autels. Wao wamepinduza madhabahu zako. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Na waliua na mupanga wa nabii zako. Je suis resté moi seul. Nimebakia mimi mwenyewe. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Wao wanatafuta kunitoa uzima. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert. Kwa milele akamwelezea wende na uchukue njia ya jangwa. Jusqu'à Damas. Ufikie pale Damaseke. Et quand tu seras arrivé, wakati utakuwa umefika, tu oindras Hazael pour roi de Syrie. Utapaka Hazaeli sawa mfalme wa Syria. Tu oindras aussi Jehu fils de Nimshi pour roi d'Israël. Utapaka pia Jehu mwana Nimshi kwa ajili ya kuwa mfalme wa Israeli. Et tu oindras Élisée fils de Shaphat. Utapaka pia Elisha mwana Shaphati. D'Abel Meola pour prophète à ta place. D'Abel Meola kwa ajili ya kuwa nabii kwa fasi yako. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael. Na itafika kwamba ule mwenye atapona kwa mupanga Hazaeli. Jehu le fera mourir. Jehu yeye atamuua. Et celui qui échappera à l'épée de Jehu. Ule mwenye atapona kwa mupanga ya Jehu. Élisée le fera mourir. Elisha atamuua. Ma prière. Tutaomba. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Oui, les signes que les prophètes prédisent. Le jour des gentils comptes. Marangapi kabisa tuko na shukrani kwako. Pour toutes les bonnes choses que tu fais à merveille pour nous. Kwa ajili ya ile matendo yote mazuri yenye unafanyia kwetu. Tu nous as gardé Seigneur depuis qu'on s'est séparé ici dimanche. Ulitulinda tokea pale tuliachana hapa siku ya yenga. Et tu
nous as accordé ce rassemblement dans ta maison. Bénis tes enfants qui sont venus. Bariki watoto wako wale wenye wamekuja. Même ceux qui sont encore en chemin. Hata wale wenye wakingariki njiani. Garde et fais-les arriver. Uwalinde na uwafikishe. Bénis la portion de la parole pour ce soir. Bariki sehemu ya neno kwa jina mangaribia leo. Bénis cette assemblée fellowship. Bariki kusaniko fellowship. Bénis tous tes serviteurs. Bariki watumishi wako wote. Tous les officiels. Wafanyakazi wote wa kanisa. Et la famille de ton serviteur pasteur Richard. Na familia ya mtumishi wako mchungaji Richard. Tu as dit tu seras le papa des orphelins et les maris des veuves. Uli sema kwamba utakuwa babake na wayatima na bwana wa majane. Soutiens le Seigneur. Wazurie bwana. Et soutiens cette église. Na uzurie kanisa. Parle à tes enfants. Sema na watoto yako. De cœur à cœur. Moyo kwa moyo. Et place le Seigneur. Na watie bwana. Positionnellement. Mwili musimamo. Afin que leur foi soit ancrée. Ili imani yao ipate kupokea nguvu. Nous avons vraiment besoin de toi. Tuko kabisa lazima yako. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Jina ya bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Na miomba muikale. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur Dieu dans la continuité. Tokea wakati moja, tulikuwa tuko nazunguzia kuhusu Mungu katika kuendelesha. Comment Dieu n'abandonne pas ses œuvres. Namuna enye Mungu aachake kamwe kazi yake. Dieu, il a continué toujours et il va achever. Mungu anaendelesha kila mara na atamalizia. Le grand personnage Élie ici que nous sommes en train de voir chaque fois. Ule mtu mkuu Élie mwenye tuko na muona hapa kila mara. Ayant reçu une grande mission divine. Ye mwenye alipokea kazi kubwa ya Mungu. Pour aller wandre les gens. Kwa ajili ya kwenda kupaka watu. Il avait trois personnes qu'il devait wandre. Alikuwa na watu watatu wale wenye alipasha kuwapaka. Dieu a dit à Élie de le faire. Mungu alielezea Élie aifanye. Et nous avons vu que dans l'exécution. Na tuliona kwamba wakati akutimiza ile. Élie n'a oint qu'une seule personne. Élie alipaka mtu mmoja tu. Il a ciblé réellement l'homme qui devait prendre sa place. Na ye kabisa alienda moja kwa moja ule mwenye alipasha kubeba fasi yake. Et le reste du travail, na ile kazi yenye ilibakia, c'est son successeur qui a continué. Ni ule mwenye alikuja kisha yeye, yeye njo aliendelesha. Or son successeur Élisée, nous avons vu, n'a jamais eu un message. Ijapo tuliona kwamba ule mwenye alimfuatilia Elisha akukua hata na ujumbe. Il n'était que le répétiteur d'Élie. Yeye alikuwa tu ule wa kurudilia ya Elia. Il n'avait rien d'autre à faire. Akukua na kingine kia kufanya. Il n'avait pas sa commission à lui. Akukua tana kazi yenye limupewa yeye. Mais il a travaillé dans la commission d'Elie. Lakini yeye alitumika kwa ile kazi yenye limupewa kwa Elia. Et on a vu que Dieu peut changer de visage de personne. Et tuliona kwamba Mungu anaweza kubadilisha masura ya watu. Mais il continue son œuvre qu'il avait commencé. Lakini anaendelesha ile kazi yake yenye alianza. Parce que Dieu n'abandonne pas son travail. Kwa sababu Mungu kazi yake haiachaki. Nous avons vu cela dans l'âge. Na tuliona yo katika kizazi. Et nous sommes descendus aussi dans le local. Na tulishuka pia mukanisa nyafasi. Nous sommes en train de continuer. Na tuko naendelea. Et vous allez remarquer que Élie. Mutatambua kwamba Elia. Se trouvait dans des conditions difficiles. Alikuwa jikutanisha wakati moja ya matata kabisa. À cause de la grandeur de son ministère. Kwa sababu ya ile ukubwa ya huduma yake. Élie avait tellement un grand ministère. Élie alikuwa kabisa na huduma kubwa. Il a porté la vérité dans cet âge-là. Yeye alileta ukweli muile kizazi ile. Il n'avait même pas peur du roi Akab. Yeye alikuwa aogopi hata mfalme Akabu. Il n'avait même pas peur de Jezabel. Yeye akuogopa hata Yezabeli. Il pouvait regarder dans les yeux et y donner le message. Angeweza kumwangalia kabisa kumacho na kuleta ujumbe. Et son message était chaque fois accompagné du surnaturel. Na ujumbe yake kila mara ilikuwa imesindikizwa na ile ya kupita asili. Il était juste un homme comme la Bible dit. Yeye alikuwa tu mtu sawa Biblia inasema. Élie le Tishbite n'était pas céleste. Et kwa sababu Elia mtishbiti akukuwa kwa mbingu. Tishbite c'était un village. Et Tishbite
kule ilikuwa ni muji. Donc il était un homme de Tishbite. Yeye alikuwa mukaaji wa wile muji ya Tishbite. La Bible dit un homme de même nature que nous. Biblia inasema ni mtu mwenye alikuwa na tabia tu asilia sawa shie. Il avait le haut, il avait le bas. Alikuwa na mazuri pia mabaya. Il était vraiment un homme. Yeye alikuwa kweli mtu. On a vu même son côté humain dimanche comment il pouvait changer de nature. Et tuliona hata namna yake ya bumuto namna ingeweza kubadilisha tali yake. Les gens qui ont cru à son message. Wale watu wenye waliamini ujumbe wake. Mais il les a nié. Yeye akawakana. Mais Dieu l'a rappelé. Lakini Mungu akamkumbusha. Mais que tu as 7000. Ya kwamba uko na 7000. Donc il était juste un homme. Ni kusema alikuwa tu mtu. Mais un homme. Lakini ule mtu qui savait marcher avec Dieu. Mwenye alijua kutembea na Mungu. Un homme qui quand il prononçait la parole. Ule mtu ule wakati anasema neno. Il ne tremblait pas après. Ye alikuwa atetemeke baadaye. Il ne doutait pas de ce qu'il a prononcé. Ye alikuwa ashakie ile yenye ametoka kusema. Et quand il engageait une grande chose. Wakati alikuwa kianza kitu moja kubwa. Parfois il citait même plus le nom de Dieu. Wakati ingine akukua aseme tena jina ya Mungu. Il conjuguait le pronom personnel. Ye alikuwa kitumia ile mutumizi, utumizi ya upekee. À la première personne. E ile kwa utumizi ya kwanza. Je. Mimi. C'est ça la nature d'Elie. Ile ndio asili ya Elia. Il a dit sinon à ma parole. Anasema kama tu mie njo minasema. Il n'a même pas dit la parole de Dieu. Akusema hata neno la Mungu. Sinon à ma parole. Kama iko tu mie njo nasema. Et les gens là qui sont les Elie là. Na wale watu wenye wako Elia wale. Quand il parle. Wakati anasema. Sa parole devient la parole de Dieu. Neno yake inakuwa neno ya Mungu. Il dit sinon à ma parole. Kama iko tu mie njo minasema. Comme toi Akabe tu troubles le peuple. Isi we Akabe na vuruga taifa. Il y aura pas de pluie. Akuta kuwa mvua. Ni rosé. Akuta agua ta umande. 3 ans et demi. Miaka tatu na nusu. Il a parlé, il a laissé. Yeye akasema na bikaishia pale. Il n'avait pas besoin de trembler pour savoir qu'il était en onction. Akukua asema kisha angalia au kwa namna ya kutetemeka. Qu'il tombe, qu'il clipite. Wala anguke ajiviringite. Il était calme. Yeye alikuwa mtulivu. Sérieux. Yeye kabisa mwenye anajua benye anafanya. Il savait où il se tenait. Yeye alijua wapi anasimamia. Sinon à ma parole. Kama iko tu mie ndio nasema. Pas de pluie. Hakuna mvua. Ni rose. Hakuna hata maji ya kuanguka kidogo. Frère Branham dit des hommes comme ça. Ndugu Branham anasema watu kama wale. Les hommes de défi. Watu wanapiga kaubishi. Il parle comme ça. Anasema hivi. Maintenant c'est à Dieu. Sasa kwa Mungu. De fournir tous les efforts. Afanye biote biwezekanavyo. Pour soutenir ce que cet homme là a dit. Kwa ajili ya kufanya kwamba kile ile mtu anasema bifanyike. Abraham dit c'est un enfant adopté. Ndugu na mazani mwana mwenye amekubaliwa sawa mwana. Quand il prononce la parole. Wakati anasema neno. Le ciel. Mbingu doit s'immobiliser. Il n'a pas che jitayarishe. Entrer en conférence. Il n'a ingia mkusaniko. Avec les anges. Na wa malaika. Pour voir ce qu'il a prononcé. Kwa ajili ya kuona kile nyatoa kusema. Pour faire que cela s'accomplisse. Kwa ajili ya kufanya kwamba ile itimilike. Parce que quand il parle. Kwa sababu wakati anasema. C'est l'autorité du fils. Ni mamlaka ya mwana. Dieu Mungu a commencé maintenant les démarches. Yeye akaanza sasa kutafuta namna pour s'occuper kwa ajili ya kusikia de cette parole de menace que Eli vient de ile neno ya ubishi enye Elia alichapiga ubishi mbele ya watu. Parce qu'il a déjà parlé. Kwa sababu yeye tayari amesema. Les conséquences vont venir. Vinyume vitakuja. Alors Dieu doit s'occuper de ça. Sasa Mungu anapaja kufuatilia hayo. Dieu Mungu avec ses serviteurs et na watumishi wake. La collaboration qu'il a. Et il est ma patano ya kutumika yenye iko nayo. C'est sérieux. Et ni hatari. Quand il te dit. Wakati anakuelezea. Mon serviteur. Mtumishi wangu. Ne le juge pas. Usimuamue. C'est moi-même qui va le juger. Mimi mwenyewe ndio nitamhukumu. C'est profond. Ya uketo. Eli a parlé. Eli alisema. La sécheresse a frappé la terre. Et kukauka ilipiga mwinchi. Le pays était frappé de la sécheresse. Inchi kabisa ikapigwa na kukauka. Maintenant Dieu doit commencer. Sasa Mungu anapasha. E kuanza kutafuta namna. Comment Eli va vivre. Namna gani huyo Elia mwenye amesema ataishi je. Lui qui a appelé la sécheresse. Yeye mwenye aliita kukauka ikuje. Il ne connaît même pas les conséquences. Yeye mwenye wajue itakuwa je. Mais Dieu commence à chercher. Mungu sasa anaanza kutafuta.
Mon serviteur a déjà parlé. Il a déjà agi. Il est déjà entré en action. Maintenant, le reste, Dieu doit s'en occuper. Dis bon, toi, descends au torrent de Kérit. Parce que tu viens déjà de frapper la famille. Mais toi, ta voix, il est sauté à quoi? Doit être maintenu parce que tu dois parler. Il n'a pas été baqué comme ça, ou n'a pas osé mais. Alors pour que ta voix ne soit pas étouffée, il est sauté à quoi? Non, il s'est fifié. Va au torrent de Kérit. Oui, ne parle mon magie à Kérit. J'ai ordonné. Miminirisha Gizam. Okonbo. Et quoi, Kunguru? Ils viendront. Watakuya. Et c'est l'unique fois où les corbeaux donne un bon type dans la parole. E ninjo mara moja kwenye kunguru anakuwa mfano mzuri ndani ya neno. La parole de Dieu a toujours des aspects multiples. Kwa sababu neno la Mungu kila mara inakuwa na mapembe ya kuachana chana. De ce côté le corbeau c'est un mauvais type. E kwa ngambo hiki kunguru ni mfano mbaya. Avec Noé dans l'arche. E pamoja na Noa musafina. Va voir la terre sèche. Wewe wende uangalie kule kwenye kuko nchi kavu. Ben, il trouve les pourritures. Yeye anakutanisha kule viozo. Au lieu de revenir dans l'arche. Kuliko arudi musafina. Avec la réponse. Na kule tajibu. Il est resté mangeant les pourritures. Yeye akibakia kule kukula viozo. Et quand il ne revenait pas. Wakati alikuwa arudie. Il a lâché la colombe. Yeye akachilia tena njiwa. Quand la colombe est partie. Wakati njiwa alienda. Il a inspecté. Yeye akachunguza. Il a pris la fleur de roux. Na akachukua ile ua. La fleur de roux. Ile ua ya roux. Ne se trouve pas dans les eaux. Enye aikuwa ke mumaji. La fleur de roux est toujours dans la sécheresse, dans la terre sèche. Ile liua ya roux inakuwa kampaka mwile ichikavu. Et la colombe avait sur ses ailes cette fleur de roux. Na njiwa alikuwa juu mabawa yake na ile liua ya roux. Et il revenait avec douceur. Na alikuwa kirudi na upole. Et quand il entra dans l'arche. Wakati aliingia musafina. Et que Noé a vu la fleur là de roux. Na Noa wakati aliona ile liua ya roux. Sur les ailes d'une colombe. Et juu ya mabawa ya njiwa. Après avoir traversé les dures épreuves. Et kisha yeye njiwa kupikisha yeye kupita mvipimo za nguvu. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Yeye alikuwa kitafuta inchi kavu munamna yote. Où est-ce qu'il va s'installer? Namna gani wapi kule yeye anaweza kufikia? Pour avoir la consolation. Ili apate kupata faraja. Ça n'a pas été facile. Haikokuwa teketeke. Mais il voit la colombe revenir. Lakini Noa akaona njiwa kurudia. Et sur ses ailes. Na juu ya ile mabawa yake ile. Il avait la fleur de roux. Kulikuwa ile liua huu. Et c'était la joie dans l'arche. Na ilikuwa furaha ndani ya safina. Même s'il n'avait pas encore palpé cette terre là. Hata kwamba yeye alikuwa bado hajafika mwile nchi yenyewe. Mais voir la colombe qui revient avec la fleur de roux. Wakati anaona njiwa narudi na ile liua huu. Il croyait que l'épreuve était terminée. Yeye aliona ya kwamba kipimo yangu kimefika. Il savait que la terre sèche était là. Yeye alikuwa kijua kwamba nchi kavu iko kweli kweli. Et Noé qui traverse les eaux. Na Noa mwenyewe anapita mwile bahari. C'est l'église pendant les sept âges. E kanisa muvizazi saba. Beaucoup de preuves. Muvipimo mengi. Beaucoup de difficultés. Magumu mengi. Mais à la fin de l'âge. Ini mwisho ya kizazi. Le ciel a lâché la colombe. Mbingu ikaachilia njiwa. Et sur les ailes d'une colombe blanche. Njiwa juu ya ile mabawa ya njiwa. Il y avait la fleur de roux dans cette nuée. Kulikuwa ile ua ya roux juu ya ile wingu. Et Jésus dit quand vous verrez cette nuée. Na Yesu anasema wakati mtaonee vos têtes. Upande kunyosha. Votre délivrance approche. Et frère Branham parle du mystère de la colombe femelle. Jésus est venu dans la nuée. Mais la chose que lui il a apportée, il a donné à la colombe femelle. Cette colombe blanche qui revient avec les livres ouverts, c'est la colombe blanche. C'est la colombe femelle. Pas les mâles. Amen.
Le mâle a été égorgé, bien sûr. Et il est adou, mais il chinjo, kweli, kweli. Mais on a pris son sang, on a renversé sur la femelle. Alakini walibeba damu yake wakaimwanga. C'est la femelle qui est lâchée avec la solution. Il est wakike ndio alimoltuma na jibu. Il a fait 7 fois le tour du monde en temps d'aspect. Ali sunguka mara 7 duniani akimwanga. Nous voyons la colombe femelle revenir. Tunaona ile njiwa ya ukike na la présence de William Branham, c'est la délivrance. Uwepo ya William Branham ni ukombozi. Oui, Église. Ndio kanisa. Dieu t'envoie sur les ailes d'une colombe la réponse. Et Mungu anapochumia juu ya jiwa nyeupe jibu. La consolation. Faraja. La solution. Jibu. C'est très profond. Ya uketo. Mais je voulais seulement montrer que là-bas le corbeau a joué un mauvais rôle. Et nipenda tu kumionyesha kwamba kule ngambo jiwa alifanya kazi mbaya. Ça n'est pas là-bas notre prédication. Ili si atubie mahubiri yetu kule. Et de ce côté ici. Kini mwingambo yuku. Et Eli. Ya Elia, le corbeau c'est un messager. Kunguru yeye ni mjumbe. Qui apporte la nourriture le matin. Inaleta chakula asubuhi. Il apporte la nourriture le soir. Analeta chakula jioni. Pour garder la voix d'Eli. Kwa ajili ya kulinda sauti ya Elia. Pour que sa voix ne puisse pas se taire. Ili sauti yake isinyamaze. La famine ne puisse pas le tuer. Isi ili njala isimue. Le corbeau. Si kunguru. Retenez ça très bien. Les corbeaux. Mushike mzuri kunguru. On nourrit Eli. Anakulisha Elia. Pour garder la voix d'Eli. Kwa ajili ya kuchunga sauti ya Elia. Il y avait beaucoup d'autres oiseaux qui pouvaient faire ça. Kuliko wandege wengi wenye walipacha kufanya hili. Mais Dieu a pris les corbeaux. Lakini Mungu akachagua kunguru. Pourquoi les corbeaux? Kwa nini kunguru? Ils ont un rôle à jouer. Wako na kazi ya kufanya. Dans le ministère d'Eli. Mukazi ya Elia. Garder la voix d'Elie. Kwa ajili ya kuchunga sauti ya Elia. C'est des problèmes de son ministère. Ni mambo ya huduma yake. Parce que quand le torrent va sécher. Wakati ile chemchemu ile itakauka. Dieu va l'amener à Sarepta. Mungu atampeleka kule Sarepta. Il dit, je redonne là-bas une femme veuve. Anasema kule mimi nimeagiza mwanamke mjane. Qui va prendre soin de toi. Mwenye atakuzuria. Donc Dieu ne faisait que pourvoir. Ni kusema Mungu alikuwa kila mara akitayarisha tu. Pour que le ministère d'Eli, il est où demain Elia, reste imbattable. Ibakiye pasipo kushindwa. Mes amis, Dieu n'abandonnera pas le ministère. Warafiki yeye Mungu atachiliana kamwe huduma. Jamais il peut le faire. Kamwe kabisa Mungu aweze kuifanya. Quand Dieu envoie quelqu'un, wakati Mungu anatuma mtu, il prendra soin de cet homme. Yeye akauzuria yule mtu ule. Et quand il fait le travail comme nous voyons ici. Wakati anafanya kazi kisi tunayona hapa. Même si Dieu le retire, il s'en va. Hata kama Mungu anamubeba yeye anaenda zake. Dieu s'occupera que la chose puisse toujours réussir. Mungu atangaikia mpaka ile kitu ile pate kuendelea kumbele. Parce que Dieu ne fasse pas le nom de son nom. Kwa sababu Mungu avutake jina ya mpakaliwa wake. Il faut que son nom subsiste. Inabidi jina lake ibakirie. Un héros ne meurt pas. Mwole musoja kufaki. Ha? Sibile. Vous pouvez l'enterrer physiquement. Munaweza kumuzika mukimwili. Mais ses œuvres subsistent. Alakini matendo yake kingali kinamuonesha. Un héros ne meurt pas. Musoja yeye kufaki. Gloire au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que l'homme qui était derrière cette chair c'est un héros. Naamini kwamba yule bwana mwenye alikuwa nyuma hii mimbari yeye ni musoja. Et il n'est pas mort. Na yeye akufa. Il continue à vivre. Akingali kinaendelea kuishi. Et ce sont ces choses là. Ni hivi tu hii. Qui a fait qu'à un moment Eli dit bon, je ne peux plus fuir. Ilifanya kwamba Eli wakati mmoja anasema mimi siwezi na kukimbia. Dis à Akab que je suis là. Welezea Akab ya kwamba mimi niko. C'est comme ça qu'ils vont aller au Mont Carmel. Je vis les bases wakaenda mumlima Karmeli. Pour expérimenter le vrai Dieu. Kwa ajili ya kupima kuonesha Mungu wa kweli ni gani. Et là, comme vous connaissez l'histoire. Na pale kisi unajua historia. Dieu était du côté de Eli. Mungu alikuwa ngambo ya Elia. Frère, c'est Eli qui appelle le feu. Ni Elia ndio anaita moto. A
Parce que les prophètes de Baal ont été incapables de descendre le feu. Kwa sababu wanabii wa Baal walikuwa wanashindwa kabisa kuleta moto. Ils ont commencé du matin jusqu'au soir. Walianza asubuhi mpaka magharibi. Il y avait rien. Na kukua kitu. C'était seulement crier. Ilikuwa tu lalamiko. Taper les choses. Kupiga mavitu. Faire beaucoup de sport. Kufanya mama mazoezi mengi. L'exercice corporel. Et il est makazi ya kujipatia majifunzo mumwili. Tombe tout ça. C'est bien ces choses-là. Et ni vizuri vile vitu. Mais parfois Dieu n'est pas dedans. Lakini wakati ingine Mungu akuwake mule ndani. Dieu est souvent dans le calme. Mungu wakati ingine iko katika ukimya. Le troisième pôle, l'ange a dit à Frère Branham, pas beaucoup de secousses. Jette seulement la maison dans la profondeur. C'est un poisson-là, de cette couleur. Lui, vous ne l'aurez pas dans le superficiel. Il faut jeter dans la profondeur. Lui, il habite là. Et quand vous jetez dans la profondeur, il va venir. Parce que quand la profondeur appelle la profondeur, il faudra une profondeur pour répondre à cet appel. Le poisson épouse. Vous ne l'avez pas dans les choses petites petites. Dans les secousses là inutiles. Il faudra que la maison descende dans la profondeur. Il y a des choses pour l'épouse. Dans ce message, il y a la parole pour l'église et il y a la parole pour l'épouse. Parce que Branham est le prophète de tous. La voix qui crie au milieu de la nuit, c'est William Branham. Il est sauté dans la mika katika ya usiku ni William Branham. La voix de Matthieu Vincent. Il est sauté yenye ko katika Mathayo 25. Facilez-vous. Oneni bwana harusi. Réveillez-vous. Muamuke. Allez à sa rencontre. Mwenye mkakutane naye. Celui qui crie là, c'est Frère. Yule mwenye ko lalamika ni ndugu Branham. Amen. Celui qui réveille les églises. Yule mwenye iko na amusha wa bibi harusi. Les églises. Makanisa. Aujourd'hui les églises c'est dit église de réveil. Et leo makanisa na jiita makanisa ya amko. Mais demandez-les qui les a réveillés. Parce que quand ils disent nous sommes église de réveil, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui les a réveillés. L'homme qui a réveillé les deux groupes, c'est William Branham. Quand il a crié, voici l'époux. Les folles se sont réveillées. L'épouse aussi s'est réveillée. Les folles en se réveillant cherchent maintenant lui. Mais l'épouse à lui. Elle a l'allumage. Son problème c'est seulement d'allumer. Mais la vierge folle. Quand Branham a crié. C'est leur temps maintenant d'aller chercher. William Branham réveille tous les deux. William Branham na amusha wote wawili. Quand il prêche, il prêche à tous les deux. Anahubiri wote wawili. Le prédicateur de la vierge folle. Quand il lira Frère Branham, wakata soma ndugu Branham, il ne verra que la nourriture pour la vierge folle. Ye ataona mpaka chakula kwa ajili ya kusaidia bikira bumbafu. Et les prédicateurs de l'épouse, quand ils lisent les messages, ils voient les messages pour l'épouse. L'épouse a son message. L'épouse a son langage. Les messages, c'est un langage. C'est la trompette. Et quand ça sonne, celui qui est concerné, cela le pénètre au plus profond. Et il peut crier la délivrance. La venue de la nuée, c'est la consolation. Ce sont ces choses-là, comme je disais.
hizo vitu ukisikwa mkimilizeni. Ça les a amenés au Carmel. Et ils ont fikiza mo Carmel. Et là au Carmel. Na kule Carmel. Vers le soir. Et kule wakati wa jioni. Eli a fait la prière. Eli alitoa ombi. Il dit Éternel. Alisema wa milele. Que l'on sache. Wapate kujua. Que c'est toi. Ya kwamba ni wewe. Qui ramène le cœur du peuple. Jo mwenye anarudisha. Dans Malachi 4, il est dit Eli ramènera. Et kwa Malachi ni wanasema kwamba Eli atarudisha. Et dans la prière le Tishbita dit c'est Dieu lui-même qui ramène. Eko katika ombi Elia mtibiti alisema kwamba ni Mungu yeye mwenyewe ndiye anarudisha. Même la Bible prouve. Niko sema hata Biblia inahakikisha. Que dans Elie. Ya kwamba ndani ya Elia. C'est deux pièces. Ni kuna viwili. Il y a Dieu. Kuna Mungu. Il y a le prophète. Na kuna nabii. Et quand il a prié le feu est venu. Na wakati aliomba moto ilikuja. Le feu a consumé les sacrifices. Moto ilichoma sadaka. Et lorsque les faux prophètes ont vu ça, ils ont fui. Wakati wanabii wa uongo waliona ile wakakimbia. C'est Élie lui-même qui a dit aux enfants d'Israël. Ni Élie yeye mwenyewe ndiye alielezea wana Israeli. Que personne d'entre eux ne fui. Et kusikuwa hata mmoja wenu ule mwenyewe atakimbia. Saisissez-les. Muwabambe. C'est l'ordre émané d'Élie. Ni ile agizo enye litokea kwa Elia. Et le peuple a exécuté. Na taifa walifanya ile enye waliwaomba. Tous les faux prophètes. Et wale wanabii wote waongo. Étaient égorgés. Waliwachinja. Mais regarde la suite. Angalieni benye bilifuata. Jezabel qui se relève. Jezabel yanasimama. Il dit Élie tu dois mourir. Weye Elia weye watakuwa. Si je suis là, tu dois mourir. Kama mimi niko hapo wewe utakufa. Jezabel poursuivant Élie. Ye akikuwa iko na ndama Elia. C'était un moment difficile. Ilikuwa wakati vigumu. La femme, mwanamke, Jezabel attaquant Élie le prophète. Akishambulia Elia nabii. Et quand ça arrive à ce point, c'est difficile. Wakati nafika mwile kiwango ile binakuwa bia nguvu. Lorsque la femme se tourne contre le ministère, wakati mwanamke anageukia huduma, il faut que Dieu intervienne. Inabidi Mungu asaidie. C'était sérieux. Ilikuwa hatari. Elia fui. Elia akakimbia. Elie s'est caché dans la caverne. Elia kaenda kujificha mshimo. Parce qu'il a trouvé que c'était terminé. Kwa sababu anaona kwamba hapa bimeisha kabisa. Après avoir fait descendre Dieu, Isaïe kushusha Mungu, démontrer la puissance de Dieu. Anaonesha uwezo ya Mungu, une victoire éclatante du ministère. Et ile ushindi kabisa ya kuonekana wazi ya huduma. Les gens ont acclamé. Watu wameshangilia. Mais après, kisha pale, il fuit. Yanakimbia. Et frère Branham dit, fuyez la femme. Mukimbieni mwanamke. T'habitue pas vers la femme. Usizobele mwanamke. Ne dis pas j'ai beaucoup du Saint-Esprit. Useme hapana mie ndugu niko na Roho Mtakatifu ya mingi. Elia fui. Elia alikimbia. Et si tu es un homme de Dieu, na wewe kama mtu wa Mungu, fais beaucoup d'attention avec la femme. Eba ange sana kabisa na mwanamke. La femme, mwanamke, amène le ministère dans l'ornière. Analetaka, anafikishaka huduma imeanguka. Eli afui. Eli alikimbia. Après la victoire, kisha kupata ushindi, il se cache, amejificha. C'est alors que Dieu est venu le chercher. Ndio pale Mungu alikuja kumtafuta. Savoir comment il y a eu le tremblement. Kulikuwa kutetemeka. Il y a eu le feu. Kulikuwa moto. Il y a eu un grand vent. Kulikuwa upepo kali. Mais dans tout ça, Dieu n'était pas. Lakini mwile yote Mungu akukuwa hapo. Dieu, sa manière, c'est le calme. Mungu na Mungu kimya. Vous savez, quand Elohim visite Abraham. Munajua wakati Elohim alitembelea Ibrahimu. À Sodome, c'était des bruits. Et kule ku Sodoma kulikuwa kelele. Les deux anges. Wale malaika wawili. Ils ont fait descendre le feu. Walishusha moto. À Sodome, il y avait des cris. Et ku Sodoma kule kulikuwa makelele. Mais là où Elohim était chez Abraham. Lakini kule kwenye Elohim alikuwa kwa Ibrahimu. Un enseignement dans les cris. Kulikuwa mafundisho ndani ya ukimya. Le discernement du Messie. Ufafanuzi ya Masia. Dans les calmes. Ndani ya kimya.
les secrets du royaume ne faisaient que sortir. Siri ya ufalme ilikuwa iko natoka mpaka tu. Calme. Kwa ukimya kabisa. Mais à Sodome. Lakini kule Sodoma. Trop de bruit. Makelele kabisa. Et Lot est sorti dans des bruits. Na Lot alitoka mwile kelele ile. Parce que la Bible dit que l'ange a dit que Lot faisait le retard, il a fait sortir le Bible inasema kwamba Lot alikuwa kichelewa, malaika katosha mwanamke. Trop de bruit. Kulikuwa makelele mengi. Dans les salis de Lot. Et katika ukovu ya Loti. Dans les salis d'Abraham. Lakini katika ukovu ya Ibrahimu. Elohim. Elohim. Dieu lui-même. Yeye mwenyewe. Dans la chair humaine. Ndani ya mwili. Calme. Kimya. Sans bruit. Asipo kelele. Et ce qui arrive un jour là. Ile nye ikilifika kele siku ile. Arrivera demain. Itafika vile vile. Au jour du fils de l'homme. Kwa ile siku ya mwanamtu. L'épouse reçoit le Saint-Esprit dans le calme. Bibi harusi anapokea Roho Mtakatifu mukimya. Elohim. Elohim. Du côté où il est. Et kuile ngambo kwenye iko. Calme. Kimya. Pas de bruit. Hakuna makelele. Mais là où il y a. Lakini kule kwenye. Billingham et Oral Roberts. Billingham na Oral Roberts. Chez les dénominations. Et kule kwa mazibu. Kule. Trop d'agitation. Makelele mingi na kuangaika. Trop de rokoto shabama. Kuna marosho marakachavasa. Et même des prédicateurs du message commencent à copier ça. Hata wahubiri wa ujumbe wanaanza ta kufuatilia vya vile. On dirait qu'ils sont des semences de Billy Graham et Oral Roberts. Inaonekana sawa wao ni mbegu ya kutokea kwa Billy Graham wala parce qu'il y a trois semeurs. Et kwa sababu kuna wapandaji watatu qui ont semé. Wenye walipanda. Oral Roberts. El Oral Roberts. Billy Graham. Billy Graham. Ils ont semé des semences. Wao walipanda ile mbeko dénominationnelle. Ya zebu. Et pentecôtiste. Ya kupantekosa. Et le fils de l'homme aussi a semé. Na yule mwana mtu naye pia alipanda. Le fils de l'homme a semé. Yule mwana mtu alipanda. Dans la chair humaine. Ndani ya mwili ya binadamu. Sous la forme de notre précieux frère. Umbo ya ndugu yetu Adamani. Parce que à un moment Branham n'était pas Branham. Wakati moja Branham hakukua tena Branham. Tout Dieu. Mungu yeye yote. Était confiné dans William. Amejibieneza mule ndani ya Branham. Le fils de l'homme. Yeye mwana mtu. C'est Dieu dans la chair de Branham. Ni Mungu ndani ya mwili ya Branham. Il a semé aussi. Yeye alipanda naye pia. La semence pousse. Mbegu bibi harusi. Et quand il sème. Wakati anapanda. C'est dans le calme. Ni katika ukimya. Amen. De ce côté-là, il n'y a pas trop de bruit. Et calme. Le tremblement. Et le vent. Et upepo, le feu. Moto. Dieu n'était pas dans Mungu tout ça. Kukua ndani ya vile vyote. Dieu Mungu était dans alikuwa le murmure doux. Ndani ya ile kusema ya chini chini ya upole. Elige. Na Yahweh. Pesi kabisa. Et il posa la question. Akauliza. Mon ministre, que fais-tu ici? Sasa, mwanahuduma wangu, unafanya nini hapa? Tu es ministre. Wewe uko mwanahuduma. Tu dois prendre la chose en main. Unapaja wewe ubebe vitu viongoze. Jusqu'à te cacher sasa, ici. Sasa unafika hapo umejificha. Que fais-tu ici uko dans la cachette? Unafanya nini hapa kwenye umejificha? Tu as peur de quoi? Uko naogopa nini? Ah Seigneur. Eh Bwana. Je déployais mon zèle. Eh mien, nilitumia bidii yangu. Pour toi. Kwa ajili yako kwanza. Ega. Ona kwanza. Les enfants d'Israël. Eh watoto wa Israeli. Ils ont tué tous les prophètes. Wana wa wanabii wote. Oh mais c'est toi qui les as dit de faire. C'est ni wewe ndio ulisema wafanye. Là on cherche à monter la vie. Eh pale biko la tatiza mingi wa uwe. Je vais mourir. Mimi nitakufa. Je suis arrivé à la fin. Mimi nimefika mwisho yangu. Prends-moi seulement. Unibebe tu Bwana. Et Dieu va lui dire, c'est vrai. Na Mungu akamwelezea ni kweli. Mais tu ne meurs pas encore. Wewe hautakufa kwanza. Rentre. Wewe rudia. Par le désert. Wende upitie pa jangwa. Jusqu'à Damas. Paka ufike Damaseke. Tu vas d'abord régler les problèmes du roi du nord. Utamaliza kwanza ile mambo ya ule mfalme kaskazini. Assyrie. Et ule kusuria. Le roi doit changer. Mfalme unapasha umbadilishe. Parce que Syrie était au nord d'Israël. Kwa sababu Syrie ilikuwa kule kaskazini ya Israeli. Le roi du nord. Ule mfalme wa kaskazini. La situation politique du roi du nord. Ile mambo ya usiasa ya kaskazini. Tu dois d'abord changer ça. Unabidi kwanza kuibadilishe. Et ensuite. Na kisha pale. Tu vas voir Israël. Utaona Israeli.
Jehu doit prendre la place. Jehu anapacha bebe fasi. Et enfin, na kwa mwisho, Élisée, Elisha doit continuer l'œuvre. Anapacha kuendelea kazi kisha weye. Tu dois le mettre prophète à ta place. Unapacha kumtia kwa nabii kwa fasi yako. Mes amis, ce sont des choses tellement profondes. Warafiki, ni vitu ya uketo kabisa. Parce que c'est lié au programme même du salut. Kwa sababu inafuatana hata na ile mipango ya wokovu. Même pour que l'épouse quitte la terre et parte. Hata kwa ajili ya biharusi aache dunia apate kwenda. Nous devons voir ce signe là. Tunapaja kuona ile alama ile. Parce que on doit observer les rois du. Kwa sababu tunapaja kuangalia ule mfano wa kaskazini. La position de la Russie. Et ile msimamo ya Russie. En rapport avec le message de William Branham, le rôle que le roi du Nord doit jouer, il est parce qu'il est un instrument dans la main de Wasabu Dieu. Ni ya Mungu. Mais remarquez, Élie va seulement oindre Élisée. Élie anenda tu kupaka Elisha. Et c'est fini. Na binaishi hapo. Il s'en va. Anaenda zake. Pour oindre Azael. Kwa ajili ya kupaka Azael. C'est Élisée. Elisha. Dieu n'a pas échoué. Mungu akubishindwa. Élie n'a pas échoué. Élie akushindwa. Le ministère a continué. Huduma iliendelea. Amen. Élisée marche dans le ministère de Elisha iko natembea ndani ya huduma ya Elia. Je vais vous lire quelque chose. Nitamisomea kitu kimoja. Avant que nous continuions dans notre pensée. Mbili tuendeleshe na ile mawazo yetu. Dans la prédication de Frère Branham, religion de Jézabel. Et katika maubili ya ndugu Branham, ile dini ya Isabelle. Paragraphe 58. Kifungu yake ya 58. Oh, quand Akab était sur le trône. Ijapo wakati Akab alikuwa mkiti enzi. Vous dites c'est bien lui qui était sur le trône. Unasema ya kwamba ni yeye ndiye alikuwa mkiti enzi. C'est vrai. Ni kweli. Mais alakini, Jezabel était le chef derrière ce trône. C'était elle qui dirigeait. Ilikuwa ni yeye ndio alikuwa akiongoza. Regardez comment elle a pris les lois même du pays. Angalia hata namna inyalibeba sheria ya nchi. Elle les a déformées. Na akazigeuza. À son propre profit. Et kwa faida yake mwenyewe. Et par sa convoitise. Na kupitia tamaa. Yake. Et elle a amené Akab à faire cela. Na akafikiza Akabu kufanya ile. Parce qu'elle s'était mariée à lui. Kwa sababu yeye alikuwa amemuoa. Il en est ainsi de notre chef aujourd'hui. Iko vile vile kwa ajili ya chef wetu leo. Je ne dis pas que ce n'est pas un homme bon. Mimi siseme kwamba yeye ni mtu mbaya. Mais regardez ce qui est derrière lui. Angalieni ile enye iko nyuma yake. La prostituée. Yule msharati. La chose même qui nous a fait fuir pour venir ici. Ile kitu atenye tufanya tukimbie tukuje hapa. Pour fonder l'Amérique. Et kwa ajili ya kutunga Amerika. Les principes même sur lesquels l'Amérique est bâtie. Ile tu ile makanuni yenye nafanya kwamba Amerika ijengwe. Et en toute liberté de choix. Na uhuru yote ya kuchagua. Nous avons voté pour un tel homme. Sisi tulichagua kimutu kia vile. Maintenant, sasa, vous voyez pourquoi on fera taire ma voix très bientôt. Et munaona kwa nini watanyamazisha sauti yangu karibu hapa. On le saura. Tutaiua. Oui. Ndio. Pourquoi? Kwa nini? Apocalypse 10:20 dit. Ufunuo 10:20 nasema. Elle se dit prophétesse. Et anajiita nabii mwanamke. Observez tout simplement la vague de péché qui arrive maintenant. Angalieni mwingi ya zambi yenye iko nakuja hapa sasa. Branham dit bientôt ma voix. Et Branham asema hapa sasa karibu. On va chercher à l'éteindre. Watatafuta kuinyamazisha. Comme Jezabel autrefois. Sawa Jezabel wakati ingine. A cherché à taire la voix d'Elie. Alitafuta nyamazishe sauti Elia. Pour que la voix d'Elie ne soit plus entendue. Ili sauti ya Elie sisikilike tena. Mais Dieu. Alakini Mungu. S'est occupé d'Elie. Ye aliangaikie Elia. D'envoyer les corbeaux. E kwa kutuma kunguru.
pour nourrir le prophète, afin de garder sa voix. Branham dit ma voix aussi. À cause de ce mauvais vote que l'Amérique a fait. C'est profond. J'ai lu quelque part, je peux le lire demain ou après. Jeudi ou dimanche. Frère Branham dit, il y a des choses que j'ai dit. Je partirai. Et après, vous allez voir l'accomplissement. Et là, il parle à Kennedy. Qui avait aussi une mauvaise femme. Mais la mauvaise femme derrière Kennedy, ce n'est pas seulement Jacqueline. Pas seulement Jacqueline. Mais l'Église catholique. Un président catholique et président catholique au trône des États-Unis. Et celui-ci va être le deuxième. Na uyu jotakuwa wa pili. Et le nouvel ordre mondial que le pape François veut exécuter. Ye pape François anapenda ipate kutiliwa n'a pas marché avec Donald Trump. Aikuendeka na Donald Trump. Parce que Donald Trump a été suscité pour maintenir les principes. Kwa ajili ya kuchunga kanuni. Et c'était pour un peu freiner la bête. Et kwa ajili ya kusimamisha kidogo ule mnyama. Afin que l'épouse soit bien habillée. Ile bibi ya rusi apate kuvikwa vizuri. Et regarde maintenant. Na angalieni hapa sasa. Avec tout ce qui vient de se passer. Na biote bibi matoka kupitikana. On a un deuxième catholique dans l'histoire de l'Amérique. Tuko na katolika wa pili mu historia ya America. Qui monte au trône. Mwenyana panda mkitia enzi. Avec une vice-présidente. Na ule mwenyana mufatiria. Une femme. Mwanamuke. Comme Branham avait dit. Sigisi Branham alisemaka. Cette femme sera soit présidente, soit vice-présidente. Ule mwanamuke atakuwa wala raisi, wala wakufatilia raisi. Au même moment, il y a les catholiques. Wakati moja moja kuna ule mkatolika na peba na ifasi. Et une femme qui monte avec. Na mwanamuke mwenyana panda pamoja nae. Et le nouvel ordre mondial va être exécuté sans problème. Na utaratibu ya sasa ya dunia itatiliwa pasipo magumu. Ma pour arriver à ça, il faut taire la voix d'Elie. Et kwa ajili ya kufikiza, kwa ajili ya kufika kwa ile inabidi kunyamazisha sauti ya Elia. Qu'on n'entende plus jamais parler du message. Watu wasikilize tena kusemeza. Nos portes des églises seront fermées. Milango ya makanisa zetu watazifunga. Mais dans l'entretemps, le roi du nord. Wakati ile moja moja ule mfalme kaskazini. Il ne dort pas. Ye alale. Poutine est là. Poutine iko pale. Il est prêt. Ye iko tayari zamani. À n'importe quoi. Anasema biote bikue. Cette terre. Et oui, dunia, ne va pas supporter une autre guerre. Aita vumilia tena vita ingine. Mais cette bombe-là, alakini le kombora ile, sera larguée. Itapigwa. Après que l'épouse soit déjà partie. Kisha bibi harusi ye tayari kwenda. Parce que nous parlons du placement de l'ordre. Et mina jua tuko na semewa kutilo ya loti. L'ordre de ya utaratibu samani. J'essaye un peu de vous jeter quelque chose. Niko na jaribu pia kumipatia vitu ingine kidogo. Parce que on ne va pas seulement écouter l'ordre. Kwa sababu hatutasikia tu utaratibu ya kanisa. Il faut que nos âmes soient préparées. Inabidi pia manafsi yetu itayarishwe. Tu puisses comprendre que c'est vraiment la fin. Unapaja kuelewa kwamba kabisa tuko mwisho. C'est vraiment terminé. Ni kabisa bilisha isha. Il faut pas chercher à être loin de Dieu. Utafuta uko unabakia mbali na Mungu. En ce moment ici. Mwi wakati kama hii. Il faut s'approcher davantage de Dieu. Dans ce problème d'Élie, nous l'utilisons pour l'ordre. Mais nous l'utilisons aussi pour nos âmes. Un grand ministère Uduma kubwa que Dieu nous a envoyé. Et Élie, c'est Jésus-Christ. On a fait ça dimanche. Élie d'aujourd'hui, c'est différent des autres Élie. Parce que les autres Élis, ils avaient la puissance d'Élie. Ils avaient l'esprit d'Élie. Et Branham dit, on a eu tout d'Élie. Na Branham a dit, on a eu tout d'Élie. Mais
Alakini, les lits d'aujourd'hui, il y a waleo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon Jésus Christ. Et Malachi 4 dit, na Malachi, ni anasema, Jésus-Christ descendra du ciel. Jésus-Christ atashuka kutoka mbingu. Il s'incarnera dans un prophète. Na atajiingiza ndani ya nabii. C'est ça Malachi 4. Ile nyo Malachi ne. Quand Malachi 4 s'accomplit. Wakati Malachi ne natimia. Il n'y a personne là-bas au ciel. Hakuna mtu kule, hakuna ule mwenyeko kule mbinguni. Si vous adorez un Dieu que vous pensez il est là. Wakati mko na budi mnaanza kumbuku Mungu mwenyewe na budi iko mbinguni. Il faut changer de pensée. Inabidi ubadilishe mawazo. Dieu n'est pas là-bas. Mungu haiko kule mbinguni. La divinité n'est pas au ciel. Mungu haiko mbinguni. Dieu est sur la terre. Mungu iko duniani. Nous adorons un Dieu. Tuko na budi ule Mungu. Qui habite dans la chair humaine. Mwenye anaishi ndani ya mwili wa binadamu. Et préparez vos âmes. Na mutayarishe manafsi zenu. Parce que d'un moment à l'autre. Wakati moja kisha ingine. Le nouvel ordre mondial va être exécuté. Ile uongozi mupya ya dunia itatiliwa. Un gouvernement mondial. Et ile ukusema dunia yote inakuwa na uongozi mmoja. Une seule banque mondiale. Et banki moja ya dunia nzima. La monnaie unique. Et pesa ya kidunia mzima. Le système sera un. Système yote ya dunia itakuwa moja. Et l'épouse ne va pas manger cette monnaie là. Na bibi harusi atakula ile makuta ile. L'épouse va souffrir un peu. Bibi harusi atateswa kiloko. Quelques jours. Masiku tu kiloko. Parce que nous n'achèterons pas. Kwa sababu si hatutauza. Nous ne mangerons pas. Hatutakula. Cette église ici sera fermée. Hii kanisa hii wataifunga. Ils vont prendre ça. Watabeba hii kanisa. Et nous serons chassés. Na shie watatufukuza. Ça va être même un dépôt de munitions. Itakuwa hata fasi ya kuficha mabuduki. Même vos maisons, on va vous. Hata manyumba zenu wataninyang'anya nayo. Bientôt là. Karibu hapa. Il est pour souffrir un peu. Bibi harusi atateswa kiloko. Juste quelques jours. Masiku tu kiloko. Et vous savez quoi? Na mnajua nini? Sa bwana me dit. Dobra masema. Cette puissance que vous êtes en train de recevoir. Hii uwezo yenye mko napokea. Dans le calme. Oui, ukimya. Vous écoutez mais ça entre. Mko nasikia lakini iko naingia. Ça entre. Iko naingia. Anasema. Cette puissance va se déclencher. Hii uwezo itajipasula. Et nous allons commencer à créer. Na tutaanza kuumba. Par une parole parlée. Juste comme Branham l'a expérimenté. Que le curé soit. Que le curé soit. Que le curé soit. Le pouce va commencer à crier. Nous mangerons une nourriture créée. Tutakula chakula enye tumeumba. Et peu de temps, na wakati kidogo, nous allons commencer à voyager comme une pensée. Tutaanza kufanya safari sawa mawazo. Merci Seigneur. Et nous allons rencontrer nos bien-aimés. Na tutakutanana na wapendwa zetu. Et on va partir. Na tutaenda. Préparez-vous en conseil. Ne faites pas de la politique dans l'église. Parce qu'après tout, tu n'auras rien. Nous laissons tout ça. On va bientôt partir. Prépare ton âme. À la rencontre du Seigneur. Très très bientôt. Les choses sont finies. Alors je crois. Namini. La dernière citation par rapport à l'ordre. Kandiko ya mwisho kufuatana na utaratibu. Nous avions lu enyi tulisoma pour voir comment Dieu continue son travail. Kwa ajili ya kuonesha namna yenye Mungu anaendelesha kazi. Je suis en train de vous montrer que Frère Branham, tulikuwa tukimionyesha kwamba ndugu Branham, il a pensé ye aliwaza que c'était sa fin. Ya kwamba ni mwisho yake. Il a dit à sa femme, alielezea mke wake, l'église fera tout. Kanisa itafanya yote. Ok, vous ne soyez pas enfamé. Iwezekanavyo musikufe na njala. C'était l'une des citations. Ilikuwa moja ya maandiko. Et l'autre citation, c'est quand Frère Branham propose. Wakati ndugu Branham analeta mawazo.
pour que frère Neville soit le pasteur. Ili mchungaji Neville, ndugu Neville akuwe mchungaji. Mais il dit, je vais présenter la chose à l'église. Anasema lakini ile kitu nitaelezea kwanza kanisa. Si l'église aussi va accepter que frère Neville soit le pasteur. Pia wataitika kwamba ndugu Neville akuwe mchungaji. Si lui-même aussi se sent conduit par le Seigneur. Kama yeye mwenyewe ndugu Neville anasikia pia ameongozewa na Bwana. Nous avons vu frère Branham nous parler que avant la venue de frère Neville. Mbele ya ujio wa ndugu Neville, il y a eu beaucoup de prédicateurs. Kulikuwa wahubiri wengi. Wengi. Il y en a même qui sont sortis. Kuna hata wale wenye walienda zao wakatoka. Ils sont allés faire les églises. Wakaenda kufanya makanisa yao. Il y en a qui sont restés. Kuna wale walibakia que Neville a trouvé. Enye Neville aliwakutanisha. Neville est venu. Neville alikuya. Après les autres. Kisha wengine kumtangulia. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Ni kusema Mungu afanyake vitu kama shie. Parce que nous parfois un sentiment un peu charnel. Wakati moja hivyo na huko na bia kusikia sababu mtu. Ah, mais comment? Ena muna gani? Lui vient d'arriver. Yeye alitukutanisha humu. Ce n'est pas le problème de qui est venu avant. Aiko mambo ya nani alikuya kambele. Qui est venu après. Nani alikuya kakisha. Mais c'est l'homme que Dieu choisit. Ni ule mtu mwenye Mungu anachagua. Qui a la possibilité. Mwenye iko na ile uwezo. De prendre la relève. Ya kubeba ile fasi. Et de continuer. Na kuendelesha kazi kumbele. Donc tout est une citation. Ni kusema yote ni andiko. Neville est venu après. Et Neville alikuya kisha wengine. Et frère Branham l'a attendu. Na ndugu nana malimungoji nalimungoya. Okay, ili comprenne la doctrine. Ili ye apate kwanza kuelewa mafundisho ya hii kanisa ni gani. Ili ni menage trouve Neville peut défendre ces choses. Anasema hapa sasa mimi naona Neville ameenea anaweza kutetea hii bitu. Alors je vais le présenter à l'église. Hapa sasa mimi nitamuonesha kanisani. Parce que malgré la proposition divisionnaire. Aizuru ile kumuonesha kwanza kwa ule mwenye uko na. À la fin de tout il faut que l'église puisse voter. Mwisho ya yote kanisa pia na acha ichague. Donc c'est ça la parole de Dieu. Ni kusema ile ndio neno la Mungu. Et j'aimerais épingler quelque chose dans Dieu de cet âge mauvais. Nitapenda niseme kitu moja katika Mungu ya hiki kizazi kibaya. Frère Neville est présenté au Branham Tabernacle en 1963. Ndugu Branham anaonesha ndugu Neville mu 1963 devant l'église. Mbele ya kanisa. L'ordre de l'église 63 paragraphe 5 on avait lu. Utaratibu ya kanisa 63 kifungu yake ya 5. Et on a voté frère Neville. Na wakachagua ndugu Neville. Il est élu. Ye amechaguliwa pasteur. Mchungaji. Branham Tabernacle. Kule Branham maskani. Selon les souhaits du prophète. Kufuatana na ile nabii alitamania. Et l'église aussi a voté. Na kanisa nao pia walimchagua. Neville était d'accord. Kanisa Neville wakamchana. Mchungaji mu 63. Regardez dans Dieu de cet âge mauvais. Et angarieni muhima ubiri Dieu de cet âge mauvais. 1965. Ya 65. Au premier paragraphe. Emuile kifungo yake ya kwanza. Frère Neville fait des commentaires. Ndugu Neville anasema kidogo. Et puis il lit les résolutions de la réunion conjointe. Na yeye anasoma ile muamuzi yenye ilichukuliwa muile kusaniko ya wote. Ni conseil des diacres. Ya wale wasimamizi wa shemasi wa shemasi. Conseil des administrateurs. Na pia mkusaniko ya wasimamizi. Tenu le soir. Yenye ilichukuliwa jioni. Du vendredi 30 juillet. Et si à siku makumi tatu ya mwezi ya saba. 1965. Mwaka sitini na tano. Au sujet de la franchise sur les bandes. Et kuhusu mambo ya mautepe. Ces résolutions ont été signées par frère Branham. Hii mawamuzi ilisaniwa na ndugu Branham. Qui fait des commentaires là-dessus. Mwenye analeta misemo pale juu. À la réunion du soir. Et mwile kusaniko ya jioni. Dans le message. Et katika ujumbe. Les événements rendus clairs par la prophétie. Hii mambo za sasa. Mambo inaoneshwa wazi kupitia unabii. Ça c'est dans la bande. Hii ni katika utepe. C'est dans la prédication Dieu de cet âge mauvais. Et ni katika mahubiri Mungu wa hiki kizazi kibaya. Frère Neville lit ce qui suit. Et ndugu Neville anasoma hii ifuatayo. De ces rapports après la réunion tenue conjointement. Et kisha ikusaniko enye sisi wote tulikusanika. Par le conseil des diacres. Et enye wa shemasi walikusanika. Et le conseil des administrateurs. Na pia wasimamizi. De ce tabernacle. Ya hii maskani. Le vendredi soir. Siku ya kazi tano jioni. Nous lisons les résolutions suivantes. Tunasoma ile enye iliamuliwa. Lesquelles concernent tout homme. Enye inangaria kila mutu. Toute femme.
kila mwanamke qui a tant que disciple mwenye iko somo nafunzi engagé de ce ministère mwenye ameingia katika hii huduma voudra savoir la pensée atapenda kujua wazo du conseil ya mkusaniko du pasteur ya mchungaji et du pasteur associé na ule mchungaji msaidizi. Je lis ces résolutions ce matin. Mina soma hii maamuzi asubuhi. Vous pouvez lire les résolutions là. Unaweza kusoma ile biote ile ya mliwa. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Et enfin là, et na kule kumwisho. Il est dit encore ceci. Imesemezwa tena hiki. Ces résolutions hii maamuzi ont été lues et approuvées. Ili somewa pia kukubaliwa par les pasteurs. Na mchungaji le reverend William Branham yeye mheshimiwa William Branham le pasteur associé na mchungaji msaidizi le reverend Orman Neville yeye mchungaji Orman Neville ainsi que le conseil des administrateurs pia ile kikundi ya wasimamizi et des diacres na ya washemasi. Vous voyez que malgré que frère Neville est présenté à l'église en 63 et il est voté. Et munaona ya kwamba hata kama mu 63 wanaonaisha ndugu Neville sa mchungaji na amechaguliwa. Mais en 60 mu 65 lorsqu'on donne des résolutions wakati wanaleta ile maamuzi que l'église a décidé enye kanisa iliamua on donne le véritable statut de frère Neville dans cette assemblée. Wanaonesha fasi ya kweli kweli ya ndugu Neville muile kusaniko ile. Même s'il a été voté, hata kama yeye alichaguliwa, son vrai statut dans cette assemblée là. Et ile musimamo yake ya kweli kweli muile kusaniko ile. Il est pasteur associé. Yeye ni mchungaji msaidizi. Donc l'homme que nous allons choisir ici, ule mutu ule mwenye siye tutachagula umu, il va prendre la relève. Ye atabeba fasi ya, comme on va lire ça, ekisu tagisoma il est pasteur. Ye ni mchungaji ndiyo. Mais son vrai statut, alakini musimamo yake ya kweli kweli, qui va rester dans des documents de cette église, enye tabakia makartia se ikanisa, Richard Kabea pasteur, Richard Kabea mchungaji, tel pasteur associé. Fulani yo msaidizi wake. C'est ça l'esprit du message. Ile njoro ya ujumbe. Et je voudrais lire. Ni tapenda kusoma. C'est que frère Branham a écrit sur les offices. Ile enye ndugu Branham alisema kuhusu maofisi. Beresa il en parle dans. Anasema yo katika la prédication. Mahubiri. Swali na majibu. Il a écrit quelque chose. Aliandika kitu moja. Pour les offices. Kwa ajili ya maofisi. Et qu'est-ce qui est écrit là? On va imprimer ça. Nini imeandikwa pale, tutaona pale. On va peut-être l'imprimer et celui qui en aura besoin, il peut prendre aussi. Tunaweza kuyemprime ule mwenye atakuwa na lazima les documents c'est le fonctionnement des offices de l'église comme recommandé par le reverend William Branham gisi William Branham aliibadilisha pour le Branham tabernacle kwa ajili ya Branham. Je vais lire seulement pour les pasteurs et les pasteurs associés. Mimi tasoma tu kwa ajili ya mchungaji na mchungaji msaidizi. La charge du pasteur, ile muzigo ya mchungaji, c'est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être en accord avec les plans de Dieu. Et kutumika na, c'est d'agir sur tout programme. Ni kutenda juu ya mipango yote qu'il croit être en accord avec les plans de Dieu. Yenye anaamini ya kwamba inapatana na mipango ya Mungu. En accord avec la parole de Dieu. Yenye mepatana pia na neno la Mungu. Pour le Branham tabernacle. Kwa ajili ya Branham maskani. Il assumera l'autorité suprême. Ye atakuwa na ile mamlaka ya juu zaidi. Et fera promouvoir les biens spirituels de l'église. Ye atafanya kwamba yote ya mazuri ya kiroho ya kanisa ipate kuendelea kumbele. Il sera la tête du pasteur associé. Ye atakuwa kichwa ya ule mchungaji msaidizi. Conseil des diacres. Ya iwe ile kikundi wa shemasi. Conseil des administrateurs. E ile kikundi pia wasimamizi. Et du corps de l'église elle-même. Na kanisa yote mzima kwa jumla. Il agira avec sagesse. Ye atatenda na hekima. Pour conduire les saints de Dieu. Kwa ajili ya kuongoza watakatifu wa Mungu. Manifestant de l'amour. Akionesha mapendo vers tous les saints. Na kwa watakatifu wote. Et leur fardeau. Na
miziko zao. Il se conduira dans une soumission parfaite. Ye atakuwa kabisa kitumika na kujinyenyekeza. Selon ce que Dieu l'a appelé. E kufuatana kisi Mungu alimuita. Et l'a placé pour agir. Na alimutia pale kwa ajili ya kutenda. Ça c'est le pasteur. Ule ni mchungaji. Écoutez maintenant la charge du pasteur associé. Musikie sasa ile kazi ya ule mchungaji msaidizi. Le pasteur associé ni Branham Tabernacle. Mchungaji msaidizi wa Branham Maskani. Doit accomplir et conduire les missions du pasteur. Anapaja kutimiza na kufanya ile kazi ya mchungaji. En son absence. Wakati mchungaji ayupo. Il conduit les services d'adoration conformément à la manière. Ye anaongoza kazi ya kuabudu kufuatana namna. À la doctrine que les Branham Tabernacle croit. Enye ile namna enye Branham Maskani wanayamini. Et pratique. Na wanaifanyaka. Il sera investi de la même autorité que les pasteurs. Ye atakuwa na ile mamlaka moja moja sawa mchungaji. Assumant toute responsabilité de l'église. Ye akibeba ile madaraka yote ya kanisa. Et agissant avec une pleine autorité. Na akitenda na mamlaka yote. Pour garder l'église en ordre. Il doit manifester un profond intérêt pour tous les fardeaux des saints et accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il rendra compte au pasteur à différents moments du progrès de l'église, des affaires spirituelles actuelles, des problèmes urgents. Il ne se chargera d'aucune transaction financière sans avoir présenté premièrement au pasteur la transaction précise. Vous voyez que le pasteur associé, en l'absence du pasteur, c'est lui le pasteur fou. C'est lui la tête. C'est lui le berger. Il a l'autorité du pasteur. Je vous ai dit l'autre fois. Le fait que pasteur Richard soit parti. Que c'est terminé. Non. Ici c'est son œuvre. Son nom reste attaché. Ah. Dieu connaît Mungu anajua que de l'autre côté ya kwamba kule ngambo ya pili sa couronne ile taji yake c'est fellowship tabernacle inaandikwa fellowship maskani c'est la couronne du ministère ile taji ya mchungaji wa Richard. Et l'homme que nous voulons élire, peut-être lui-même pouvait aussi déjà mettre un associé avant son départ. Mais Dieu n'a pas permis que ça soit fait. L'homme que nous allons élire, il est pasteur. Il est notre berger. C'est lui qui dirige l'église. Parce qu'en l'absence de Richard, nous voyons lui. C'est lui le pasteur. Mais son vrai statut, il est associé. La mort ne change rien. La mort ne change rien. Quelqu'un ne peut pas venir là. Pour lui, lui c'est terminé. Son nom c'est déjà fini. L'homme que vous choisissez là, c'est lui seul. Il peut faire ce qu'il veut. Non. L'homme là, comme je parlais dimanche, n'a pas un évêque au-dessus de lui. Si le pasteur était là physiquement, il ne peut rien faire de la finance sans demander au pasteur. Mais maintenant physiquement le pasteur est là. Il est la tête de tout. Il dirige tout. Il sait dans cette affaire ici mon titulaire a sa part. Et où le chef et sa part
Il a laissé une veuve. Il a laissé les enfants. Il les a dit. Moi, je n'ai rien. Tout ce que j'avais, j'ai mis dans cette œuvre. Et cette œuvre veillera que vous ne mourrez pas en famille. Et que vous ne manquez rien. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. 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 Je crois que le frère qui sera voté pasteur, c'est un homme de Dieu. Il fera de bonnes choses. Je crois en lui. Mina muamini. Seulement, mina omba tu, malgré que je crois comme ça, vile, je dois poser des bases. Mina pacha kutia, misingi. La parole doit être placée. Neno inapasha itiliwe. Parce que nous kwa ne savons sababu, pas. Sisi atujui. Dieu a beaucoup de choses à faire. Mungu iko na bia mingi bia kufanya. Peut-être cet homme de Dieu là un jour peut dire, c'est juste un exemple. Je trouve mieux de vivre au Canada. Église vraiment, chercher quelqu'un d'autre. Si les bases n'étaient pas placées, vous serez embrouillé. Vous ne saurez pas où vous allez. Amutajua kule munaenda. C'est-à-dire tout celui qui vient. Nikusema ule wote mwenye atakuya. Il doit savoir que. Anapasha juu ya kwamba. Ici je suis un pasteur associé. Hapa mimi niko mchungaji msaidizi. C'est vrai que je n'ai personne à témoigner. Ndio sina chef juu yangu. Le Saint-Esprit est là pour me conduire. Mais je travaille dans l'œuvre de quelqu'un. Mimi niko natumika hapa mukazi ya mwenyewe. Celui qui viendra dire le contraire, il a de mauvais esprits. Il veut mépriser le travail que quelqu'un a fait. Là, je ne parle pas comme pasteur. Je parle en tant qu'apôtre. On doit marcher sur ce que frère Branham a tracé. Parce que la vie du prophète, c'est le message pour nous. C'est un peu ça. Laissez les documents de l'église tranquille au nom du pasteur Richard. Mwache mikanda ya kanisa ukimia mujina mchungaji Richard. Et rien ne change de ce côté-là. Kusikue kitu tabadilika mwile ngambo ile. Et marcher na mutembee katika umoja avec votre pasteur que vous allez mchungaji wenu ule mwenye mutachagua. Vous devez lui témoigner le même amour. Munapacha kumuonesha ile mapendo moya moya. Le même respect. Ile heshima moya moya. La même considération. Ile fasi ile moja moja unakaipatia mchungaji. Parce que en l'absence du pasteur. Kwa sababu wakati mchungaji yupo, c'est lui le pasteur fou. Ndio mchungaji hakuna mwingine. Il sera la tête des diacres. Yeye atakuwa kichwa shemasi. Des administrateurs. Ya wasimamizi. Des trésoriers. Ya wale wachunga pesa. Si na gisi vinafuatana. Amen. 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 Et j'aime l'esprit qui règne maintenant. Na mimi napenda kabisa ile roho yenye kunatawala humo. C'est vraiment l'esprit de Dieu. Ni kabisa ni roho ya Mungu. Parce que vous laissez la parole de Dieu prendre les devants. Kwa sababu mko naacha neno la Mungu ndio ipite kumbele. Et que ce soit seulement la parole qui vous guide. Ipite mpaka neno ndio inaniongoza. Ce soit seulement la parole qui inabidi mpaka neno ndio ipate kumuongoza. Itaongezea kitu kimoja pale. L'ordre de l'église 63 paragraphe 150. Et où taratibu ya kanisa ya 63 150 et kifungo yake ya 150. Regardez comment nous avions l'habitude de faire.
Il y a bien des années, Serge Ertie était la pianiste. Et Serge était quoi, mon piganinanda? Lorsque j'étais le pasteur ici, je devais être pasteur. Il est pas quoi, mchugaji, diacre, shemasi, administrateur, simamizi, et tous les restes à la fois. Na yote kabisa mimi nifanya wakati moja moja. Unaona? J'étais obligé de le faire. Mimi nilazimishwa kuifanya. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi. Sasa hapa amulazimishwa kufanya ile. Vous voyez? Unaona? Parce que vous avez des hommes qui peuvent s'acquitter de cela. Et kwa sababu kuna watu wenyewe wanaweza kufanya ile kazi ile. Vous ne faites plus comme lui, le nini visionnaire. Musifanye tena sawa jinsi yeye visionnaire alikuwa anafanya. Vous avez des gens qui peuvent s'acquitter des fonctions. Nini muko na watu wenyewe wanaweza kufanya ile makazi zingine. Être diacre, kwa shemasi, être administrateur, kwa msimamizi. Il y a des gens, kuna watu, que le pasteur a aimé, yenye mchungaji aliwapenda, qu'il a présenté, wenye alionyeshaka, ils l'ont aidé dans le travail, walimusaidia kamukazi. Mais maintenant que l'église entre dans les placements, sasa hapa kanisa gizi kunaingia katika kutiliwa mpango, il doit élire son pasteur, wanapacha kuchagua mchungaji wao, il doit élire ses diacres, watachagua washemasi wao, il doit élire ses administrateurs, watachagua pia wasimamizi wao. Ces gens-là, wale watu wale, vont passer maintenant au vote de l'église. Watapita kanisa iwachague. Kile zaidi maintenant le mandat de l'église. Wapata sasa ile ruhusa ya kazi yenye mepewa na kanisa. Une année renouvelable. Mwaka moya kisha wachaguliwe tena. Sauf pour le pasteur. Et kwa kutosha tu ile fasi ya mchungaji. Amen. Le pasteur est élu. Mchungaji yeye amebakia pale. Amwe que lui-même démission. Pengine tu kama yeye mwenyewe asema hii kazi mimi naiacha. Ou bien que l'église dise que nous ne voulons plus de lui. Wala kanisa iseme huyu mchungaji sisi hatumpendi tena. Ce sont des hommes. Ni watu. Que vous devez aimer. Mwenye unapasha kuwapenda. Que vous devez donner la chance. Unapasha kuwapatia bahati. De servir Dieu. Ya kutumikia Mungu. Vous savez, j'ai toujours. Unajua kila mara. Un peu parler à mes amis dans le ministère. Et mine les yako wa rafiki yangu katika huduma. Que parfois. Wakati ingine. On n'observe pas bien. Atuangalia kivizuri. Comme Jésus dit à celui qui vaincra. Et gisi Yesu anasema kwa yule mwenye atawina. Je ferai de lui une colonne. Nitamfanya nguzo. Dans la maison de mon Dieu. Ndani ya nyumba ya Mungu wangu. Et faut qu'on m'explique la chose. Ndugu na mafasiri ile kitu. Il dit sans colonne. Asa pasipo nguzo. Même la toiture. Hata malata. Ne peut pas être posée. Haiwezi kutiliwa juu ya nyumba. Et dans le corps de Christ, na katika mwili ya Kristo, il y a des gens que Dieu considère comme des colonnes. Mungu iko na wabeba soma nguzo. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur, wakati Paul alikutana na Bwana, il dit j'ai monté à Jérusalem. Asa nilikuwa nikipanda Yerusalemu. Pour aller consulter. Kwa ajili ya kwenda kuchunguza des colonnes de la foi que j'ai acceptée. Ile manguzo ya ile imani yenye mimi niliitika. Et dans chaque église locale, na kila kanisa ya fasi, des colonnes. Kuna mabuzo. Qu'il ne faut pas négliger. Enye amwezi kuwadharau. Amen. Grâce à eux, kwa bahati yao, l'homme de Dieu a travaillé. Ye ule mtumishi wa Mungu alitumika. Alors n'ayez pas l'habitude de casser des colonnes. Musikuwe na zoezo ya kuvunja mabuzo. C'est très important. Ni ya maana kabisa. Amen. Amen. Ne quittez pas la vision de votre pasteur. Musitoke mwile ono ya mchungaji wenu. Il y a des hommes qui l'ont accompagné jusqu'à la fin. Kuna wale watu walimsindikiza mpaka kwa mwisho. C'est pas après son départ. Haiko wakati anaenda. Et on voit ces gens-là inutiles. Unaona wale watu ni babure hawa. Non. Hapana. Le pasteur avait des projets. Mchungaji alikuwa na mipango. Combien de prédicateurs il connaît? Et waubiri wangapi anajua? Combien de gens dans cette vie pouvaient venir prêcher? Watu wangapi muita unia wangeweza kuwaita wakuje? Mais votre pasteur, alakini mchungaji wenu, il a un prédicateur qu'il a aimé. Et iko na mhubiri mwenye alipenda. Qu'il a approché. Mwenye alimukaribisha. Qu'il accompagne le pasteur. Mwenye anasindikiza mchungaji. Jusqu'à la fin. Paka kumwisho. Restez unis. Mubakie umeunganishwa. Que chacun considère l'autre. Kila mmoja atukue mwenzake na heshima. Vote sera fait. Et kuchagua itafanyika. Celui qui est voté pasteur, il est voté. Ule mwenye atachaguliwa mchungaji atachaguliwa.
Si l'église ne les vote pas, ce n'est pas la fin du monde. Kama kanisa haimuchague, haiko mwisho wa dunia. Le diacre qui sera voté, il est voté. Ule shemasi mwenye atachaguliwa, amechaguliwa. Si n'est pas voté, ce n'est pas la fin. Ye kama achaguliwe, haiko mwisho wa dunia. Mais l'essentiel. Lakini kia maana, gardez la vision de votre pasteur. Mulinde ono ile ya mchungaji wenu. Ne recevez pas des injonctions extérieures. Des pensées qui viendront pour vous diviser. Levez ceci contre cela. Levez cela contre cela. Non. Abana. L'enlèvement est là. Unyakuliwa. Karibu. Nous sommes en train de partir. Tuko naenda. Vous avez besoin de quelqu'un. Muko na lazima ya mutu. Qui va vous garder dans la chaleur. Mwenye atamilinda ndani ya joto. Qui va attisser le feu. Mwenye atawasha moto. Jusqu'à ce que nous partions. Paka tutaenda kwa unyakuliwa. Enlevez les pensées charnelles. Mutoche bile bimawazo ya kimwili. Soyez tellement spirituels. Quand je vous ai demandé dimanche, commencez déjà à prier pour ça. Et Seigneur, aide-nous. Sois de notre côté. Nous ne voulons pas faire le choix de Matthias. Celui-là que nous allons choisir, que ce soit vraiment le Paul que tu nous as préparé. Qui continuera avec cette terre. Et vous savez quoi? Ça sera une grande victoire. Ceux-là qui s'attendaient qu'il y aura l'explosion, ils seront étonnés. Et la bouche des critiques sera fermée. On verra que le pasteur qui est élu, il est libre. Et il a l'autorité full sur l'église. Il collabore bien avec les offices. Les offices ont la joie de servir. La veuve est calme. Et que toute l'église puisse marcher dans la joie. Donc je voulais vraiment insister ce soir sur le statut de l'homme que nous allons voter. Il sera un pasteur associé, mais avec la charge full. Moi, pasteur racheté, mon autorité, c'est maintenant que j'enseigne. Et lorsque le vote sera fait, fini. Je reste juste un collaborateur comme j'ai été. C'est tout. Personne ne va lui dire, c'est moi l'ancien ici. Non. Lui avait le Saint-Esprit. Là où il est bloqué, il a un besoin. Il consulte en secret. C'est lui qui le veut démontrer. Amen. L'église doit marcher dans sa souveraineté. Loin du nicolaïsme. Amen. Amina. Amen. Amina. Pasteur Richard. Ici. Il n'avait pas quelqu'un qui lui donnait les injonctions. Nous avons nos origines. Et nous-mêmes nous connaissons. Et que à un certain moment, on a pris des décisions. Et nous considérons. Et on considère. Et on donne l'honneur. Et on allait des mais avec la charge que tu as donnée, non, on doit faire un peu cavalier seul. Avoir des amis, c'est bien. Connaître là où tu es venu, c'est bien. Mais Richard n'avait personne qui lui donnait des ordres. Et le pasteur qui sera élu n'aura personne pour lui donner des ordres.
de vous les croyants de fellowship. Na nini waamini wa fellowship? Aimez votre église. Mupende kanisa yenu. Quelqu'un qui aime sa famille. Ule mwenye anapenda familia yake. Ne va pas parler mal. Atasema mabaya. Ne va pas critiquer sa propre famille. Atasema mabaya familia yake. Gardez le même respect. Mchunge ile heshima moja moja. Le même amour. Ile mapendo moja moja. Le même esprit d'unité. Ile roho moja moja ya umoja. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. S'il vous plaît, continuez à prier. Na miomba mwendele na kuomba. Ces choses, on les fait dans la prière. Ibi vitu anavifanya katika maombi. Si c'est fait dans la prière, kama nafanyia katika maombi, Satan ne saura pas nous troubler. Satani atajua kutuangaisha. Ça va se passer dans la douceur. Itafanyika katika upole. Dans le calme. Katika kimya. Ce n'est qu'après le vote Nikisha tu machakuzi que je peux voir les pasteurs que nous pouvons appeler. Je minaweza kuona wachungaji wale tunaweza kuita. Être quand même témoin. Wanaweza kuwa washuda. Que cette église a déjà un pasteur. I kanisa tayari ishapata mchungaji wake. Mais pas avant le vote. Lakini hapana mbele machakuzi. Je n'ai pas besoin d'y faire étranger. Sina lazima ya moto ya kutoka fasi nyingine. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena.